bien, nous voilà dans la loge des Musards, juste après leur concert. Bienvenue. Un petit mot sur la salle, le concert que vous venez de donner. Ben, on est content parce que le public était réceptif et il y avait, c'était bien. On est super content. Je sais pas quoi dire. J'ai un peu perdu. Alors, vous êtes un groupe qui est composé de deux. Qui est-ce qui a perdu son truc? Il y a des instruments qui sont pas communs, la batterie elle est pas commune non plus, l'utilisation de la batterie. Ouais, alors ouais, en fait c'est parti à la base que on n'avait pas de batteur et donc on répétait pas loin d'ici la compagnie Rour et il y avait Thierry qui était à côté de nous, faisait comme ça. Ouais, genre appuyer un peu. Voilà. Il avait besoin pour nous écouter qu'on ait beaucoup plus d'énergie. Donc à la base on a pris une grosse caisse. Et après, peu à peu, il disait non, les gars, il manque encore. Et donc, on a eu l'idée de prendre carrément une caisse claire. Et donc, c'est comme ça que c'est parti. C'est pour vraiment donner un peu plus de corps au son, quoi. Et le violon, du coup, qui s'est caché. Elle est boulimique, elle ne dit pas. J'ai trouvé du chocolat. Excusez-moi, je terminerai tout à l'heure. Hein. On va le reposer. Oui, donc. Donc, le violon. Une question. J'ai rencontré Manu à la fac et qu'ils avaient déjà commencé Musard, tout ça. Et ils avaient envie d'avoir quelques lignes de violon. Donc je suis venue et puis je suis restée. La basse, c'est le chant, oui. Mais... À la base, je n'étais pas faite pour faire de la musique. Je commençais avec de la guitare, je faisais des accords. Je ne sais pas si tu connais les magazines. C'était quoi ces magazines? Guitare partition, oui. Ce genre de choses et tout. Je faisais un peu du classique. Et j'ai rencontré Manu et Guillaume qui jouaient déjà ensemble. J'aimais bien parce qu'il y avait un vrai esprit festif dans ce qu'ils faisaient. Et puis je trouvais qu'il se passait quelque chose avec le public et qu'il y avait, je sais pas, il y a quelque chose qui me plaisait chez eux. Et un jour, ils m'ont proposé de jouer de la basse. Et je pensais que je ne serais pas assez forte pour faire de la basse. Et puis au bout d'un moment qu'ils me proposaient de jouer, je me suis dit bon, on va essayer. Donc j'ai acheté une basse, un ampli basse. Et du coup, j'ai commencé à jouer avec eux. Et voilà, et de fil en aiguille, je suis devenue bassiste. Et puis un jour, j'ai écrit des chansons et j'ai commencé à chanter. Et le nom de Musard, il est venu à quel moment? Ouh là, le nom et pourquoi de Musard, ce nom? Il est venu au tout début. Au début, on s'appelait Candice, Manu et Bab. Et on nous disait quand même, c'est pas un nom. Donc... Voilà, c'était concis, c'était le surnom de Manu, on l'appelait souvent Musard, on aimait bien la définition. Et puis on a commencé à trouver des slogans, le groupe entre Muse et Mozart, qui ne ressemble ni à Muse ni à Musard. Et puis c'était un petit peu comme ça, c'était pas, on voulait pas vraiment avoir ce nom, mais on n'en trouvait pas d'autres. Et puis finalement, il nous est resté collé, Musard. On a commencé en autoproduit, et l'année dernière, on a été signé dans le label Atmosphérique. Et maintenant, on a un label, un tourneur, et on va sortir un disque. Et le festival voulait nous soutenir pour la sortie du disque, et c'était super gentil de leur part. Malheureusement, le disque s'est un peu reporté et décalé, et on n'est plus trop dans l'actualité. Mais bon, voilà, on a été soutenus pour la sortie du disque. Par rapport au festival, justement, un petit mot sur leur initiative de faire découvrir des jeunes talents ou la jeune scène française, comme on dit. Franchement, c'est très bien parce qu'à Aix-en-Provence, on ne peut pas dire qu'il y ait une super actualité musicale, en tout cas dans les festivals, dans tout ce qui est musiques actuelles. Ouais, il y a beaucoup de classiques, forcément, avec le festival pendant l'été. Il y a Thierry qui se bouge beaucoup aussi, par contre, pour les musiques actuelles. Et ce festival, c'est vrai que bon, il est dédié chansons, mais ça reste un festival ouvert à toutes sortes de chansons, des chansons qui peuvent passer par le funk. On l'a vu avec l'Inspector, le rap, le slam, et la chanson un peu rock comme on peut faire. Et c'est rare à Aix-en-Provence et c'est très bien parce que c'est une initiative qui porte, j'ai l'impression, à bout de bras. Ça n'a pas l'air facile tous les ans et ils arrivent à leur fin et ils nous soutiennent encore. Alors qu'on est déjà passé il y a 2 ans, vous vous rendez compte, ils auraient pu nous jeter à la poubelle comme ils font avec les CD. Alors une petite définition comme ça de chanson française. Comment vous le définissez, chanson française? Moi, je sais que j'ai tendance, quand j'entends chanson française, à entendre chanson franchouillarde. Alors que ce n'est pas du tout vrai, parce qu'il y a de la nouvelle chanson française, il y a de la chanson française rock'n'rock, pop, swing, il y a vraiment une variété de chansons françaises. Mais les gens ont vraiment, moi aussi d'ailleurs, une étiquette chanson française, chanson franchouillarde. Alors qu'en dépassant cette étiquette, il y a énormément de choses intéressantes dans la chanson française. C'est juste le format, paroles, musique et chanter en français. Pour finir cette interview, un mot de la langue française que vous aimez. Musard.
Un mot de la langue française. Je vais passer le micro, je vais y réfléchir. Tiens Thierry, un petit mot pour Thierry, il n'a pas été vu. Arrête de te cacher. Il se cache. J'en ai un, mais il n'est pas super original, quoi. Musique ? Yeah. Non. Musique ? Je l'ai radio là. Mais c'est le seul qui me vient. Micro, plus près. Micro, musique, et dans musique, harmonie. Et un mot de la langue française que vous détestez ? Normal, c'est pas français. Mais pour sa signification ou sa consonance ? Les deux. Comme vous voulez. J'ai envie de dire cynisme, mais ça sonne bien en même temps. Moi, je dirais impôt. Impôt, ouais, impôt. On va boire un pot. Ouais, boire un pot, c'est bien. Hein, mais payer impôt, c'est pas bien.